Les Gémeaux. Alors, voyons voir les Gémeaux pour janvier. Alors, une... Ah bah, j'ai encore mal mélangé, comme d'hab. Hein. Allez, on va faire autrement. On va recouper, comme ça, moi, je suis sûre. Parce que sortir trois fois les mêmes cartes, c'est pas top. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier, on a de la tristesse. La tristesse, donc, elle va être présente. Il va y avoir des petits coups de déprime, un petit peu de désespoir, même des larmes. Mais c'est important, si vous êtes dans la tristesse, de laisser sortir ces larmes. Il ne faut pas qu'elles restent en vous, il faut vraiment les laisser sortir. Ensuite, on a la carte de la force. Donc, cette carte, elle dit que, bah, voilà, vous êtes une personne qui est mature, vous avez beaucoup de force en vous, vous avez beaucoup de compréhension, et que, bah, voilà, il arrive un moment donné, même quand on est fort, bah, on lâche. Et c'est important de lâcher ce qu'on a sur le cœur. Ensuite, on a la carte de la méfiance. Vous êtes inquiète sur quelque chose, peut-être dû à cette tristesse qui dit que, bah, voilà, vous réfléchissez, vous avez des suspicions sur quelque chose, vous êtes dans la méfiance. Alors, on va regarder, voir peut-être une carte en plus. Donc, je vais en ressortir deux. Voilà. Tout simplement parce que, voilà, vous êtes une âme pure. Hein. On a l'âme pure qui est là, donc il n'y a rien d'autre à ajouter. Et on a la carte de la vision lucide. Vous avez un nouveau regard sur la vie. Mais dites-vous que, voilà, vous allez sortir la tête de l'eau. Donc, ces petits chagrins qui viennent, là, il y a besoin. Il y a besoin qu'ils soient là pour sortir. Je dis souvent, les pleurs, voilà, c'est la lessive de nos sentiments. Donc, il faut laisser évacuer. C'est super important pour repartir sur de bonnes bases. Donc, voilà, vous êtes une personne pure. Et dites-vous que, voilà, par rapport à votre méfiance et à vos doutes, vous avez quand même une vision qui est lucide et que vous avez un regard nouveau sur la vie et que, de toute manière, suivant ce que vous avez eu par rapport à ces petits chagrins, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Tout va bien aller, vraiment. On va regarder ce que nos anges nous disent. Allez, on mélange bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, par rapport à la tristesse, par rapport au fait que vous n'êtes pas bien, on vous dit les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Alors, ce n'est pas vos anges qui vous font pleurer, mais peut-être qu'ils vous donnent des indices, parce que vous avez de la méfiance et vous avez une ouverture de, conscience, pardon. Peut-être qu'ils vous montrent les choses. Comme j'ai toujours dit, chaque chose est là parce qu'elles doivent être là. Même si c'est difficile, dites-vous que cette période, elle est là pour faire une transition avec autre chose. Donc, ça sera la fin de cette déprime, de ces pleurs, la fin de cette méfiance, parce que, bah, voilà, vous allez vous ouvrir sur quelque chose de nouveau et vraiment, vous allez remonter à la surface. Hein, on a la tête, voilà, vous sortez la tête de l'eau. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste une mauvaise période, une mauvaise passe. Donc, voilà pour nos amis des Gémeaux. À plus tard!